Mohamed, je suis journaliste.
On a appris qu'il y a eu une inondation ici. Je voudrais avoir un témoignage. Ok, attendez. Voilà. Voilà. Donc, je voudrais qu'on fasse une interview maintenant. Je voudrais partir. D'accord. C'est le imam. Ok, l'imam. Voilà, tu peux filmer là-bas aussi. Parce que okay. Il y a l'eau qui est rentrée jusqu'à. Dans sa concession. Oui. Ok. Là où je filme, tu sais, j'avais passé là-bas. Oui, j'ai été là-bas. Là où il y a eu le 4 morts. On dit que c'est le jeune Plengo là. Oui, qui est mort, qui est décédé. Donc, tu as vu tout ça là? C'est à cause de fossé là. Ok, maintenant, est-ce que tu peux témoigner? Vous êtes en train, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? Bon, nous, on est là. Présentez-vous. Bon, c'est Aloussé Mouba. Bon, nous sommes là pour allever le pont là. Parce que c'est ce qui nous a vraiment empêché. Les autres, ceux qui travaillaient pour Enabel, ils sont venus, ils ont fait la fossé, grand fossé. Donc, ils sont abandonnés. Donc, finalement, nous sommes des pères de famille. On a nos enfants ici. Ils sont peur pour ne pas que... Parce que même si c'est quelqu'un qui a un mètre et quelques, s'ils tombent dans le fossé là, c'est fini pour lui. Donc, ils sont venus, ils ne sont pas allés vers le fossé. Ils sont sur le pont. Ils sont les abandonnés comme ça, avec nous. Donc, nous sommes venus, on a levé le pont pour que l'eau passe. Parce que l'eau ne passe pas. Ce matin-là, quand l'eau est venue, ça a débordé, ça a rentré dans tout le quartier, toutes les maisons. Donc, même chez moi, au terrasse, l'eau était pleine. Donc, c'était débordé. Donc, c'est ce qui a fait que l'eau a débordé, même le rail, il est parti de l'autre côté, l'eau a rentré dans la maison de Jumant. Après, on a vu que vraiment, on ne peut pas... C'est ce qui a causé tout. Donc, on est venu pour alléger le petit pont pour que l'eau passe quand même. Est-ce qu'on peut dire que combien de maisons ont été endommagées comme ça par l'eau? Est-ce que c'est une vingtaine, une dizaine? Bon, ça peut... Trentaine. Une trentaine de maisons. Trentaine de maisons. Ok. Donc, trentaine de maisons. Est-ce que on a appris qu'il y a eu un cas de mort? Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Il y a eu un cas de mort. Okay. À cause de même du fossé là. Ok. Il y a eu un cas de mort. Tout de suite, à cause de fossé là. Quel est votre cri de cœur, votre appel aujourd'hui? Vraiment, je demande à ce que l'État fasse leur travail. Parce que c'est dommage qu'on voit ça en plein capital. C'est-à-dire, c'est ici seulement qu'on peut voir ça sans inquiéter. Sinon, ailleurs, on ne peut pas creuser comme ça et abandonner, partir comme ça, laisser avec nos enfants. Nous sommes là, vraiment, nous sommes craints. Oh, bon courage. Représentez-vous votre nom? Oui, ma... Ici, il y a eu deux véhicules qui ont tombé ici. Deux véhicules? Deux véhicules. Waouh. Ensuite, j'ai appelé le numéro, mais... Mais ça, c'était aujourd'hui, les deux véhicules? Non, là. Non, non, pas aujourd'hui. Ok, parce qu'il y avait le fossé. Oui. C'est la maison de l'imam? Oui. La vie, l'eau est passée là, c'est débordé maintenant. Mm-hmm. Viens par là. Ok. Allons, allons. Demander qu'est-ce qui s'est passé ici. Il y a eu une inondation. Comme on voit de l'eau, on arrive comme l'endroit.
Okay.